Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 12 octobre 2021, Louise, Alexandra Naoum, travaille sur le budget prévisionnel du Spoon. Elle annonce à Bar, Hector Langevin, que l'établissement se porte très bien et suggère de continuer les soirées striptease avec Damien. Bar est dubitatif, mais Louise est très emballée par son idée. Plus tard, le couple accueille Damien au Scout. Louise lui fait part de son idée, mais Damien décline sa proposition, expliquant ne pas avoir le physique et n'avoir fait un striptease que pour s'amuser. Après le départ de Damien, Bar est contrarié. Il a l'impression que Louise est attirée par Damien, mais celle-ci affirme ne pas du tout être intéressée par le flic et ne penser quoi l'intérêt du Spoon. Au même moment, Damien envoie un SMS à Louise et accepte sa proposition. Le soir venu, Damien se présente au Spoon en uniforme et réchauffe l'ambiance. Manque de chance, Martin et Karim le surprennent. Martin lui fait remarquer qu'il est interdit de sortir les uniformes du commissariat et lui défend de recommencer. Peu après, Anna, Maud Baker, débarque au Spoon pour faire une surprise à Karim. Suite au débat de la veille avec Angie, Louise Marion, François Lehaut, Emmanuel Noir, propose à ses élèves de faire un exposé sur un auteur de leur choix, qu'il soit au programme ou pas. Angie lui fait remarquer qu'une simple exposé ne réglera pas le problème des auteurs noirs marginalisés par l'éducation nationale, mais Leo lui réplique qu'il n'a pas le pouvoir de changer le programme scolaire. Angie fait mine d'accepter les arguments de son professeur et lève la main pour lire un texte de Joachim du Bellay. Mais lorsque son professeur lui donne la parole, la jeune femme monte sur sa table et lit un texte de Phyllis Wheatley, la première poétesse afro-américaine. Leo tente de calmer la classe mais rien n'y fait. Après le cours, Angie est convoquée dans le bureau de Chloé, Ingrid Chauvin, qui lui donne 10 heures de colle. La jeune femme s'en plaint auprès d'Irène, Thaïs Kirby, mais cette dernière se range du côté de la proviseure. Plus tard, Angie retrouve Jaya, Nastasia Kruge. Cette dernière essaye de calmer sa sœur, mais Angie la traite de lâche et décide d'aller encore plus loin. Au beau milieu de la cour, la jeune femme livre un discours engagé pour un programme plus diversifié. De nombreux élèves l'applaudissent, mais Jordan, Maxime Lelu, s'agace et Fort va jusqu'à insulter Angie. Pour la défendre, Jaya gifle Jordan et les deux adolescents en viennent aux mains, jusqu'à ce que le haut ne vienne les séparer. Dimitri est arrêté, Roxane trouve le portrait d'Emily après l'enlèvement de Roxane, Raphaël Volkov, Lizzie, Juliette Maliba, fait sa déposition auprès de Martin, Franck Monsigny. Elle explique que le ravisseur portait un manteau à capuche, mais n'est-ce pas en mesure de donner la plaque d'immatriculation de son véhicule. Tandis que le commandant Constant lance les recherches, Sarah, Camille Genot, lui révèle que le cœur greffé à Victoire, Solène Hébert, est celui d'Emily Chaptal, l'ex-petite amie de Dimitri Maniblier. Elle lui raconte toute l'histoire et fait part de ses soupçons sur Dimitri. Peu après, Karim, Sami Garbi, et Sarah se rendent chez Dimitri. La jeune femme veut entrer pour vérifier si Roxane ne s'y trouve pas, mais Karim l'en empêche et se contente d'interpeller Dimitri. Au commissariat, le jeune homme est interrogé par Martin. Il explique qu'il était seul chez lui la veille au soir et assure ne pas être lié à l'enlèvement de Roxane. En l'absence d'un alibi solide, Constant décide de perquisitionner le domicile de Dimitri. Au même moment, Roxane, détenue dans une cave sans fenêtre, parvient à se débander des yeux et continue d'appeler à l'aide. Georges, Mayel El Hajaoui, et Sarah, eux, perquisitionnent le domicile de Dimitri. Dans la cave, Sarah trouve les papiers d'Emily Chaptal. Dimitri affirme que celle-ci les a laissés après une dispute, mais Sarah note une ressemblance troublante entre Emily et Roxane. Georges décide de placer Dimitri en garde à vue. De retour chez lui, Georges retrouve Victoire, qui continue à dessiner. Il lui reproche d'avoir embarqué ses collègues dans ses histoires, mais Victoire estime ne pas avoir de compte à lui rendre. Elle quitte les lieux et rejoint Sarah, qui les mène dans la cave de Dimitri. Sarah espère que Victoire reconnaîtra quelque chose, mais le médecin ne ressent rien de particulier. Attristée, Sarah comprend qu'elle est peut-être sur une mauvaise piste et redoute de ne jamais retrouver Roxane. Dans le même temps, Roxane supplie son ravisseur de la laisser partir, mais ce dernier l'ignore. Dans la cave où elle est enfermée, la jeune flic découvre un portrait d'Emily.